Comment rester motivé? Donc concrètement, comment rester motivé constamment? Bah, c'est pas possible. Tu peux pas être motivé constamment, d'accord? La motivation, en fait, ça va être le déclencheur. Tu vas en avoir marre. Tu vois, je sais pas moi, t'es arrivé au restaurant, t'as mis ta carte pour pouvoir payer ton sandwich, ton kebab, t'as mis ta carte bleue, boum, c'est pas passé. Là, t'es vénère, t'as la rage, t'es motivé, tu veux créer ton business en ligne, tu veux gagner 2000 euros par mois avec être libre géographiquement avec ton business en ligne, t'es déterminé. Ok, donc ça va durer combien de temps ça? Ça va durer 2-3 jours, tu vois. Tu vas être motivé, tu vas être au taquet, tu vas regarder toutes tes vidéos dessus et tout, là. Et après, tu vas reprendre ta vie normale comme tout le monde. Tu vois, c'est exactement ce que font les gens en fait lors de la nouvelle année. Ils prennent des nouvelles résolutions. Ah, j'arrête de fumer, ils sont énervés. Tout le monde est motivé de malade. Et ils s'inscrivent tous à la salle de sport. On les voit, les gars. Hein. Ceux qui sont habitués à la salle de sport, ils savent de quoi je parle. On les voit tous, ils sont tous motivés en janvier. Février, début février, il n'y a plus personne. On a perdu la moitié des adhérents. Donc, la motivation, concrètement, si tu comptes là-dessus pour pouvoir atteindre des objectifs, t'es cuit. Okay? Donc, qu'est-ce qui permet réellement aux gens d'atteindre leur objectif et d'avoir de la réussite? Eh bien, il va falloir créer des nouvelles habitudes. Tu vois, je ne te dis même pas d'avoir un objectif et que tu poursuis cet objectif-là, c'est de créer des habitudes. Ça, c'est beaucoup plus puissant. Pourquoi? Parce que atteindre un résultat, en fait, ne va pas changer ta vie réellement. Quand ça peut changer ta vie, mais ça ne va pas réellement changer ta vie. Je te donne un exemple. Imaginons que, et avant de te donner un exemple, ce que je vais te dire, c'est que toi, tu crois que c'est le résultat que tu recherches, mais en vérité, ce n'est pas le résultat que tu recherches. Donc, du coup, je reviens à mon exemple. Imaginons que ta chambre, elle est sale. D'accord? Ta chambre, elle est sale, donc tu es super motivé. Donc, l'objectif, nettoyer la chambre. Donc, boum, tu nettoies ta chambre, 3 heures après, elle est propre. Ok? Mais qu'est-ce qui va se passer après, quand tu auras atteint l'objectif? Ok, elle est propre, mais 3-4 heures après, elle sera sale. Et pourquoi elle sera sale? Parce que tout simplement, parce que tu n'auras pas changé tes habitudes. Donc, c'est pour te montrer qu'en fait, ce que tu dois faire premièrement, c'est changer tes habitudes. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que bah, constamment, lorsque tu déplaces quelque chose dans ta chambre, bah, tu le ranges tout de suite après. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que ta chambre sera toujours propre. Simplement, tu n'auras pas besoin de venir à chaque fois la nettoyer puisqu'elle sera toujours propre. Un autre exemple pour pouvoir illustrer ce que je suis en train de te dire, ton objectif, ce n'est pas de perdre du poids. Ton objectif, c'est de prendre des nouvelles habitudes alimentaires, avoir une meilleure hygiène de vie au quotidien. Tu n'as pas besoin d'avoir l'objectif d'avoir plus d'argent. Tu as besoin de prendre des nouvelles habitudes financières, de prendre des nouvelles bonnes habitudes financières. Ok, c'est quoi? Ça veut dire 10% de côté ou 20% de côté tous les mois, réinvestir cet argent-là, etc., etc. Donc ça, c'est beaucoup plus puissant que de te baser sur une motivation qui existe de temps en temps et qui est juste un déclencheur, mais après, il n'y a plus rien derrière. Okay? Alors que quand tu commences à avoir des petites habitudes en place, eh bien là, c'est super puissant. Alors, c'est sûr que lorsque tu vas commencer à mettre des petites habitudes en place, eh bien, ta vie, elle va pas changer du jour au lendemain. Okay? Et comme tout le monde veut tout du jour au lendemain, parce que pour ce que la richesse, c'est un événement, quand on sait, on parle d'argent, ou si perdre du poids, c'est un événement, ça arrive d'un coup, non, malheureusement, c'est pas comme ça. Et peut-être heureusement, parce que tout ce qui arrive trop vite, je pense qu'après, on peut pas le gérer. Tu le vois même, par exemple, avec les gagnants du loto, ils touchent une grosse somme d'un coup, ils perdent tout d'un coup, parce que ça a été trop vite, en fait. Il faut un processus d'enrichissement qui fait qu'après, tu sauras comment gérer cet argent-là. Mais le fait d'avoir des petites habitudes va te permettre de naturellement atteindre des objectifs que tu n'aurais peut-être pas réussi juste en te disant « Ah ouais, il faut absolument que j'atteigne ces objectifs, tu poursuis ces objectifs-là, mais tu n'as pas mis en place des petites habitudes. » Tu vois, c'est comme si jamais tu fais une pompe par jour, bah, ça ne va pas changer ton corps du jour au lendemain. Tu vois. Mais par contre, tu vas devenir une nouvelle personne, une personne qui fait que dans quelques années, eh ben, elle aura une bonne forme physique. Par exemple, méditer une fois, une minute par jour, ne va pas te permettre d'être super calme du jour au lendemain, mais va te permettre de prendre une nouvelle personnalité qui est de devenir un méditeur. Donc forcément, si tu deviens un méditeur, tu agis comme tel et tu vas devenir super calme avec tous les avantages que te procure la méditation. L'objectif, par exemple, ce n'est pas de courir un marathon, mais c'est de devenir un coureur. Et à partir du moment où tu es un coureur, forcément, tu vas courir le marathon. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu vas devenir cette personne-là, un coureur. L'objectif, ce n'est pas d'écrire un livre. L'objectif, c'est d'être un écrivain. Tu vois? Donc tu vas prendre des habitudes d'un écrivain. Si un écrivain a l'habitude d'écrire, tu vas commencer à écrire une page de temps en temps, etc. Tu vois? L'objectif, ce n'est pas de devenir riche, mais d'être riche. Donc du coup, tu vas prendre des nouvelles habitudes, des habitudes de riche, des habitudes qui vont te permettre de t'enrichir. Donc la stratégie, c'est quoi? C'est de savoir qui tu veux être. À partir du moment où tu sais qui tu veux être, tu alignes ta personnalité avec cette personne-là. C'est pour ça que tu vas modéliser en fait les personnes qui ont déjà réussi, qui ont déjà atteint l'objectif que toi, tu veux atteindre, tu vois. Et du coup, tu vas devenir cette nouvelle personne-là. Tu vois, par exemple, si...
comme je te disais tout à l'heure, tu veux devenir riche, ok, bah du coup tu vas aligner et tu vas être riche. Et donc après ça fera partie de ta personnalité, donc tu vas même pas forcer, tu sauras que tu, voilà, la nouvelle version de toi-même, eh ben, c'est que tu es riche à l'intérieur. Donc du coup tu as les habitudes de personnes qui sont riches, de la même façon que si jamais tu es un coureur, ben tu as les habitudes d'un coureur, donc tu vas bien manger, tu vas bien courir, etc. Donc quand tu vas changer ton histoire interne, eh ben, du coup tu vas devenir une nouvelle personne et il n'y a plus personne qui aura besoin de te motiver parce que ce sera juste toi en fait. Tu vas dire, tu vas même pas forcer, tu vois, je vais dire, tu vas dire je suis un écrivain, donc du coup vu que je suis un écrivain, ben, je vais écrire mon bouquin. Donc tu vas écrire ton bouquin, ce sera normal puisque tu es un écrivain. Donc ce qui est important, c'est d'accepter le processus. Le processus, il est long, que ce soit pour tout ce que tu veux faire, que ce soit pour le business, que ce soit pour la musique, que ce soit pour le sport, que ce soit pour l'enrichissement, que ce soit pour être champion olympique, tout ce que tu veux en fait, il y a un process qui est long, tu vois. Même si tu es rappeur, tout ce que tu veux, il y a toujours un process qui est long et il faut juste l'accepter. Et si jamais tu perds du temps et essayer de trouver des raccourcis à droite, à gauche, tu vas juste perdre du temps et passer à côté de ta vie. Accepter que le process soit long, choisis où tu veux aller, d'accord, deviens cette nouvelle personne. Comme ça, tu n'auras même pas besoin de te motiver, ça fera partie de toi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Mets-moi un j'aime, mets-moi un j'aime pas parce que tu as rajouté, on ne comprend pas pourquoi. Si tu as aimé cette vidéo, bah, le jeu, les gars, c'est de partager cette vidéo pour que quelqu'un d'autre puisse entendre le message. Ok ? On dirait un gars qui évangélise. Ouais, ben oui, mon gars, mais c'est ça. Ok, si maintenant tu veux, tu es intéressé pour créer ton business en ligne et générer au moins 2000 euros par mois. J'ai mis une formation offerte qui est dans les commentaires, c'est épinglé, c'est offert. Je te montre exactement comment j'ai fait pour générer 2000 euros par mois avec mon business sur le saxophone. Et je ne te montre pas juste comment j'ai fait, je te montre exactement comment toi tu peux le faire aussi. Il y a énormément de contenu, donc vas-y, fonce si jamais tu veux te bouger. En plus, c'est offert, tu n'as pas d'excuses. Si jamais tu es coach, consultant, expert, d'accord, tu as une masterclass où je te montre exactement comment mes coachés ont fait pour atteindre 5 à 6 chiffres par mois rapidement. Ok, je te partage exactement les stratégies, c'est transparent, tu as tout. Ok, et je sais qu'il y a certaines personnes qui vont implémenter eux-mêmes et d'autres qui vont vouloir que je les accompagne à implémenter ces stratégies. Voilà les gars, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant plutôt. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On lâche rien les gars et on reste déterminés. Il y a eux et nous, on est à Miami. À un moment donné,